to the dark side. I wanna be your left hand man. Allô tout le monde, bon c'est bon vendredi saint. C'est sûr que vous voyez pas ça aujourd'hui là. On est vendredi saint, fait que c'est rien pour l'école. Les enfants sont vifs. Je suis très contente. À 8h10. À 8h10 ce matin, puis on a une belle journée de prévu. Premièrement, on va. Ben là, ça c'est rien de. Le fun, on va à la comptable. Quand j'ai pris rendez-vous, j'ai pas pensé qu'on aurait les trois enfants, mais c'est la vie. Parce qu'il n'y a pas dans ma ville, là. C'est genre 55 minutes, mais je l'aime ma comptable écouter. Je suis bien contente. On retire beaucoup d'impôts les deux. C'est vraiment le fun, mais c'est normal parce que. J'ai travaillé jusqu'à octobre. Depuis mi-octobre, j'étais sur la CSST. Fait que c'est pas, ça me fait pas le même salaire annuel. Puis pareil, en fait, j'ai fait vraiment beaucoup d'infos. Pas dans ma vie. Mais là, faut que tu le ranges de l'autre côté. Fait que c'est ça. Fait que là, on va à la campagne. Après, on va aller manger des sushis pour les féliciter s'ils font bien ça pendant le trajet. Après, on va au Mega Maze. Après, on revient. Jaden, il veut faire une expérience qu'il a faite à l'école. Moi, j'ai le gâteau à Amanda à faire, à décorer. Gâteau de Reine des Neiges. Et ce soir, on décore tout. Puis, je vous dis, on en a de la déco. J'ai vraiment hâte, ça va être beau. Merci, ça. Je vous entends avec vous. Rendu genre 5h30. Alors, ce matin, on a été à la comptable. On a fait comptable. Après ça, on a été Costco. On tenait, voulait juste voir de quoi à un autre Costco. Tant qu'à être dans du bon. Après ça, on a fait. Non, pas de chicane là! Ça chicane parce que ça fait une course. Puis elle m'en avait pas. Après ça, on a fait sushi. Et après, on a été méga mince pendant un bon 2 heures. On est revenu à 3 heures. On a demandé un plat parce qu'il était juste bien. Mais après, il la laisse pas venir. Fait que là, à 3 heures et quelques, je suis venue me coucher. Et j'ai fait une sieste. Ça m'a tellement fait du bien, mon Dieu. Je suis vraiment fatiguée. Fait que c'est ça. Là, il me reste des choses à faire. On a toute la préparation pour la fête à Amanda pour demain. Et j'ai son gâteau de Reine des Neiges à faire. Puis il faut que je fasse les flocons de neige en fondant. Genre. Fait que c'est ça, mais là faut que je check qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on est comme toute pas fin. Ok,
J'ai regardé ça, je me suis mis en pyjama, justement confortable. C'était une belle journée pour vrai. Ah oui, puis on a fait une petite expérience là avec des œufs que Jaden voulait qu'on fasse parce qu'il a trop manqué de temps à l'école. Là. Fait que c'est ça. J'ai regardé qu'est-ce qu'on a fini rendu 9h. J'ai couché les enfants. Je bois un petit bubble tea. Après souper, Anthony a été me chercher ça à la crèmerie. Et tantôt, j'ai fait mes flocons de neige. Fait que je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, j'ai pris... tu sais, ils sont sèches. Ah oui, ils commencent à sécher. Fait que j'ai pris du fondant. J'ai pris ça ici. Donc, juste un petit emporte-pièce bien normal. J'ai pris une paille pour faire les petits ronds. Puis, je sais pas si on peut voir, j'ai fait comme des petites lignes aussi. Un peu partout, là, avec un couteau, bien normal. Puis, ça, j'avais acheté ça au ballpark, là, du petit genre de sucre. Faire comme un effet neige, fait que dans le fond, j'ai comme mouillé mon doigt pour que ça adhère, genre. Puis, j'ai mis le petit sucre dessus. Puis, je les ai fait tantôt. Fait que, tu sais, ça... Ils sont pas encore tout durs, là. Mais ça durcit. Fait que je vais pouvoir coller ça après sur mon gâteau. Mon gâteau, ça... Il va être quand même simple. Mais c'est parce qu'on a full de déco de Reine des Neiges. Fait que je voulais vraiment plus y aller avec les couleurs puis le crémage. Fait que dans le fond, moi, j'ai été acheter une nouvelle couleur. J'ai pris la couleur bleuet. Ça a l'air d'un bleu un petit peu plus pâle parce que j'avais juste du... genre bleu pas de patrouille là. Fait que ça. Et je vais mettre j'ai le violet. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux qu'il soit pâle. Fait que je vais mettre ça. J'ai encore. Ah, regardez, c'est ça que j'avais acheté au Burburn. Comme ça. Pour faire comme un effet neige. J'ai des petites perles aussi argent que je vais mettre dessus. Puis j'ai acheté ça au Michael. Je l'ai partagé sur Instagram. Fait que ça fait cet effet-là sur le gâteau. Ben ici, c'est fait différent dans le fond, comme ça. Fait que je veux faire ça, mais j'ai vraiment peur de pas avoir assez de crémage. Parce que dans le fond, j'ai deux pots, c'est ça que je prends l'habitude. Sauf que là, il faut que je mette plus épais de crémage, dépendant du motif que je fais. Puis, dans le fond, moi, ma déco, c'était de faire des petits trucs de crémage sur le dessus. Fait que je m'en vais chercher mon gâteau que j'ai fait l'autre jour, que j'ai congelé. J'ai commencé avec mon mauve que j'ai mis partout. Comme plus épais. Puis je suis trop contente le bleu. Ça fait vraiment bleu Reine des Neiges. Ouais, fait que c'était ça le nom de la couleur. Ouais. Ça va être beau. Pour vrai, là, j'aurais dû mettre plus de crémage, mais pour vrai, je vais en manquer. Fait que, pour faire ma déco, fait que c'est pour ça. Mais j'aime vraiment le petit effet, là. Vous voyez le petit ligné. Alors, là, ce que j'ai fait, j'ai plein de petits embouts. J'ai pris ceux-là, le 1M, je pense, de Wilton. Fait que je le mets là-dedans. Là, je checkais des vidéos hier. Je vais le mettre de même. Ça va être plus facile pour mettre ma couleur. Fait que je vais mettre du mauve, du bleu. Puis il me reste juste un petit peu de blanc. Puis je vais faire des décos sur le dessus. Thank you.
Alors, voilà le résultat de mon gâteau. Pour vrai, je suis vraiment contente parce que ça donne vraiment les couleurs de Reine des Neiges, je trouve. Et je suis contente du résultat aussi, les petits genres de twists sur le dessus. Et là, les flocons, dans le fond, je l'avais fait bien plus que ça. À la base, je disais que je voulais le mettre au contour, mais je trouve que l'effet fait vraiment beau. Puis j'ai pas envie que. Tu sais, ils sont vraiment gros, là, les flocons. Fait que je voulais comme pas réacheter des petits pochoirs plus petits, là, tu sais. Je fais avec ce que j'ai. Fait que j'ai décidé d'en mettre juste sur le dessus, comme ça. Puis j'ai rajouté la petite neige, le petit sucre, comme ça. Fait que je trouve que ça fait vraiment beau, tu sais. Ça fait rien que des neiges sans être. Il n'y a pas de cake topper de Reine des Neiges dessus, mais je trouve que ça fait Reine des Neiges. Tu sais, quand tu le vois, je trouve que ça fit. Là. Fait que voilà. Là, si vous entendez du bruit, c'est Anthony qui joue sur son truc de VR. Fait que, on a installé les décorations. Alors, premièrement, Anthony, lui, a gonflé toutes les ballons. Puis moi, j'ai fait la banderole. Je suis vraiment contente du résultat. Elle va jusqu'en bas. Dans le fond, c'est que nous, on l'accroche, on a laissé un crochet 3M, genre, là. J'ai vraiment pas ça décolle, ça, par exemple. Ouais, on a laissé le crochet là. Fait que ça tient super bien de cette façon-là. Je l'accroche là. C'est sûr que ça fait pas comme de même, mais tu sais, je trouve que ça fait vraiment beau. Puis souvent, on va prendre des petites photos comme là, genre. Fait que ça, j'avais pris sur Amazon en kit. Avec, il y avait deux trucs de même. Je vais peut-être devoir acheter du tape. Dans le fond, il y a une bande qui colle. Je sais pas à quel point elle colle. T'sais. Fait que, c'est ça. Il y a plus de ballons que ça. Mais, ben là, je ne vais pas en tenir tranquillement. Mais, j'en ai laissé plein à terre parce que, ben, les enfants, ça aime jouer avec ça. Il y avait aussi, dans le kit, trois banderoles, comme ça, avec des flocons. Fait que, pareil, ici, on avait laissé trois crochets. Fait que j'ai accroché les trois banderoles là. Ça vient aussi avec des feuilles. Mais je trouve que ça va ça fait comme plus dans les couleurs là. Fait que j'ai pas mis les feuilles. Le reste, c'est les décos que j'avais déjà acheté. Fait que là, ben tout est. Tu sais, tout est là, les petits choses. Tout sur la table. Je vais tout déballer ça demain. J'ai mis mon petit bouquet de fleurs du Costco. La nappe. Et dans le fond, j'ai apporté la petite table du salon pour mettre ses cadeaux. Fait que nous, hey, écoutez, j'avais acheté ce papier-là vraiment beau. C'est de la merde. Il n'y a pas de tape qui tient là-dessus. Tout décolle parce que c'est full de brillant. En tout cas, fait que nos quatre cadeaux sont là. C'est le cadeau de ma mère. Fait que, ouais, je suis bien contente. Ah oui, puis dans le fond, on a mis là la petite, c'est ce qui va sur les portes. Là. Mais comme je dis souvent, on prend des petites photos là et tout. C'est là le principal. Fait que je trouve que, tu sais, ça... Ça complète bien. Ouais, je suis bien contente. Puis l'autre fois, à la fête à Julien, j'avais mis les gâteaux, les cadeaux sur la table. Sauf que là, un brunch. Parce que dans le fond, depuis le COVID, on faisait que c'est Anthony qui sert tout le monde. Sauf que là, le brunch, c'est vraiment toutes des choses individuelles que le monde peut vraiment fouiller. Là. Fait que on va faire ça sur la table comme on faisait avant. Il y a un petit peu moins de monde. Ma grande soeur peut pas venir avec ma nièce. Il y a le grand-père Anthony qui peut pas venir. Quelqu'un d'autre aussi. Jessie vient pas avec sa fille aussi. Fait que c'est un petit peu moins de monde. Et ouais, bien contente du décor. On conclut le vlog tout de suite. Et on se voit à la fête à Amanda. Bye bye!